Et coucou tout le monde. Petit incident technique. Coucou Choma, comment ça va? Salut Nero. Mais ça va. On prépare Noël. Attendez, il s'allume en plus. C'est pas la classe? C'est un peu embêtant pour la vision périphérique, alors on va pas le laisser. La classe sur Twitch. Hop. On va virer ça. Alors. C'est un bonnet à 2 euros de chez Jiffy, je crois. Que j'ai depuis au moins 2 ans. Il a encore des piles. Bonnet plutôt, Choma. Exactement. Bah comme quoi, il n'y a pas que moi qui ai cet humour-là. Hop. Et j'ai pas mis à jour mon objectif de follower. Mais ça y est, on est 51. Trop bien. Ça veut dire qu'après ce stream-là, dans l'idée, je suis affiliée. Et ça, c'est chouette. Alors, comment je fais? C'est ça. Affiliation Power. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le dernier stream, voilà. Le dernier stream, on a dessiné une petite fiole. Pour mettre dans l'inventaire du jeu. Donc là, ça va être un mini-stream. Je pense qu'on va, juste régler le problème qu'on avait sur le déplacement. Et ensuite, on va redessiner un petit peu, je pense. Mais scène, tu parles de quoi? De l'overlay? Bah alors en fait, c'est du gros bricolage. J'ai pris sur Nerd or Die. Attends, je vais te mettre le lien. J'ai pris un morceau de truc là-dessus. Et en gros, j'ai fait du patchwork un peu. Et puis pour tout ce qui est... Ah bah oui. Pour tout ce qui est texte et tout, c'est un peu fait à l'arrache. Mais en gros, ouais, j'ai pris des morceaux de trucs qui existaient et je les ai modifiés pas mal quand même. Mais assez rapidement parce que cet overlay-là, je l'ai fait 10 minutes avant le dernier stream, quoi. Donc... C'est pas grave, avec l'affiliation, on va devenir pro.
Pour l'instant, ça me suffit. Et on est parti. On va faire. En tout cas, si vous avez des retours à faire sur l'overlay ou le format du stream ou n'importe, n'hésitez pas. Alors, on va corriger un petit peu ce truc qui était pas très beau. Et je pense que j'ai pas envie de me prendre la tête trop longtemps avec ça. Donc en fait. On va juste faire ça. Que la dernière fois on avait un peu galéré. Rien à dire, à part que le bonnet est pas assez allumé à ton cou. Mais si je le laisse allumer tout le temps, j'aurai plus de batterie. Non, ça va, si je le monte comme ça, je le vois plus. Shoma, est-ce que tu apprécies mon nouveau logo? J'ai dessiné un petit logo de canard de Noël. Eh bien, je tourne pas dans le bon sens. T'embêtes, hein? Ça, c'est surtout ce qu'on veut pas. T'es jaloux parce que t'en as pas? Pourtant, ouais, une petite Jiffy 2 €. Allez, je veux tourner. Vous dites, si, là, je sors de donner des cours. Vraiment, j'ai terminé à plus de 18 h. Si ça marche pas, là, je vais passer à faire du dessin. Ce n'est pas le bon axe. Tu sors du travail? Mais quoi toi déjà, Choma? Électricien. Tu vas pouvoir réparer mon robot, regarde. Il est cassé. Ça doit être physique, ça. Oui, je me doute que électronique, c'est différent, hein, mais. Thank you.
Alors, attendez, j'ai un petit problème d'écran. Y a le matériel qui casse. Et ça, c'est pas bon. Ah. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Sur retail. Et rotation, c'est un float. Et là, on est à zéro. Très bien. Il est en roue libre là. Ma vitesse de rotation, elle est pas bonne. Rotation speed.
Moi, je veux que tu avances tout droit sur ton local. Moi, je veux le forward. Ouais, c'est ça, c'est un crabe. On dirait bien. Mais c'est ça que je veux là. Pourquoi tu veux pas? Non, pourtant, ouais. C'est ça là. Que normalement, je peux mettre là. En fait, le problème, c'est que il me prend pas le bon axe. Il me prend un axe global au lieu d'un axe local. Et ça, c'est embêtant. Parce que... Parce que moi, je voudrais qu'il avance vers son tout droit à lui et pas le tout droit du monde entier. Donc en fait, je vais dire ça. Et il va falloir qu'il avance plus vite, enfin qu'il tourne plus vite surtout. Ça y est. À part que c'est où? Il tourne pas vite du tout là. Champomy, exactement. C'est clair, faut faire la fête. Oh bah j'allais dire, je vais allumer le truc pour l'occasion, mais je l'ai laissé allumer en fait. Donc ça c'est cool. Ça marche, à part que je voudrais que ma rotation elle soit impactée par rotation speed. Et sinon ça ne marche pas. Enfin ça va super lentement. Pas très pratique. Et du coup, on va peut-être le calmer lui parce que ça va nous donner le vomi. Mais ouais, mais c'était déjà la fête. Ah, c'est pas vachement mieux? On peut avancer là, tranquille. Ah, c'est dur.
un peu violent la rotation. Mais ça se change facilement. Alors, c'est parti. On va se faire un petit, une sorte de mini donjon pour voir. Le faire de 8. Ça va être un peu abusé. 10. Donc là, je vais créer quelques pièces de départ pour de la création de donjon. Je fais un mur que je vais pouvoir dupliquer partout. Et comme on a déjà fait des portes qui s'ouvrent avec des clés et des portes qui s'ouvrent avec des petits interrupteurs, on va pouvoir se faire quelques trucs marrants. Ok, donc voilà mon pan de mur. On le peindra. Alors que je dessine mes textures. Ça, je vais en faire un préfab. Non, j'ai fait que des portes qui s'ouvrent. Par contre, un truc que j'aimerais faire, c'est qu'en fait, avec la façon dont j'ai fait les portes, je pourrais faire des coffres qui s'ouvrent avec des clés. C'est pas stylé ça? Moi, je pense que c'est. Je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais? Oh, ce serait dommage quand même, les portes qui s'ouvrent pas. Non, je les ai lâchés. Très bien.
Oui. Pas bien placé. Je vais enlever un pan de mur et mettre une ouverture. J'ai fait 3, 6, 0, 5, donc. Là. Pas beau ça? Génial. Et je vais mettre juste un cube en haut parce que sinon mon machin il n'est pas fermé. Ok, donc c'était 3. Et en profondeur, c'était 0,5. Ok, et là, on va pouvoir faire. J'ai combien de là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36. Pas du tout. Donc c'est la moitié. Bien. C'est pas dans le bon sens. C'est pas grave. Ouais, non, mais attends, je pouvais faire mon sol comme ça. Voilà. Donc là, normalement, on peut rentrer dedans.
pas très bien éclairé, mais on peut rentrer dans la pièce. Et en sortir. Très bien. Cette porte, elle me plaît pas parce qu'elle est mal mise. Voilà. Je pense que c'est... agaçant. Comme ça m'a l'air pas mal. Ok, et disons que là on pourrait mettre, bon, déjà on va pouvoir mettre la porte ici. Et ici on pourrait lui ajouter. J'ai pas enregistré le préfab de la porte qui. Mais. C'est pas bon ça. Interrupteur. Pas du tout là, mais c'est dans les préfabs. Et ça, ça va dans Dungeon Builder. Donc, en fait, on va faire un autre type d'interrupteur ici. On va faire... Parce que celui-là, bon... Un gros bouton rouge quoi. Quoique. On va changer la couleur, ce sera pas mal. Hein. Ça veut dire que là, tu vas t'approcher du donjon. T'avances là-dessus. Et ça te fait genre une espèce de plateforme. Être pas mal. On va peut-être faire ça. Et du coup, on va faire genre. Là, non, un cube. Ah, mais plus petit, on peut enlever un de hauteur, je pense. Pas mal. Ça, c'est la porte. On va se faire quelques matériaux. Très rapide. On va faire... Dungeon door.
ne va pas. Là, et ce qui serait cool, ce serait que nos murs, ils aient pas le même, la même texture à l'intérieur, à l'extérieur. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des matériaux en fonction. Ça, ça va être inside. Dungeon outside. Donc on va faire ça, on va avoir des murs qui vont avoir un côté extérieur, un côté intérieur, et des murs qui vont avoir deux côtés intérieurs, puisqu'ils seront ça va être les parois, quoi. Comment ça s'appelle? Les séparateurs. Oui. Très bien. Donc ça me paraît pas mal. J'ai pas mis là. Ça c'est l'extérieur. Et de l'autre côté. C'est pas la vie. Ça, c'est un. Ok. Donc là, si je dis qu'intérieur, ouais, je me suis plantée. Ceux-là, faut les retourner. Donc ça, 180. Qu'est-ce que je fais? Oh merde. Voilà, là, normalement, on est bon. Donc ça, c'est moins 90. J'inverse les noms du coup.
Donc lui, hop. 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 Ça, c'est l'extérieur. Très bien. Ok, et ça, du coup, faut changer le nom. Out. Et ça, c'est une. Ça sera pas les mêmes murs, donc. C'est-à-dire. Je crois que j'ai pas regardé le chat pendant un moment, et du coup, je suis perdue. Fais des murs intérieurs qui sont différents des murs extérieurs, c'est pas les mêmes murs. Non, c'est pas les mêmes murs en effet. Enfin, c'est la texture seulement qui change, mais. Façon, faudra que je fasse une texture de. Je sais pas de quoi, je vais faire une texture sûrement de pierre pour l'extérieur. Et l'intérieur, je sais pas non plus. On va voir un petit peu. Ça va pas mal dépendre de l'ambiance qu'on veut donner. Ça c'est cool. Ça. Ah non, attends. Et toi, petit bouton. Non. Non, c'est pas bon. Alors, c'est pas le bon élément qui a bougé, mais. Ça c'est normal. Porte. La position. Faudrait que j'ajoute la propriété. C'est celui-là. Pas bon du tout alors. Non mais. Ça, supprime. Ça, ça, hop, transforme. Position.
Mais moi, c'est cette partie. Mais c'est pour ça. Ah, mais non, il va pas me saouler là. Va falloir que je l'unpack. Je mette ça dedans. Et que je le réenregistre comme préfab. Là-dedans. Celui-là, et je vais changer la position. Oui, c'est ça, mais ce serait bien que tu descends un peu plus. Ici. Non, c'est ça, voilà. Donc ça, c'est pas trop mal. À part que l'effet, il est un peu laid. Je vais réduire la taille de ce cube. Non. Et je pense que ça rendra beaucoup mieux. Il s'est décalé. Animation.
Mais pourquoi? Il me casse toute la porte à la fin de l'animation. Parce que je lui ai dit de se détruire. Donc de base, on va dire que oui. C'est ce qu'on veut, mais là non. Ah non, mais je comprends en fait ce que j'ai fait. Je fais n'importe quoi. Donc, en fait, ça va là-dessus seulement. Donc c'est pas ça. Là par contre on a un trigger d'element. On recommence. Ben alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu me fais, mon coco? Oh non. 25. Ok, et donc là, quand on arrive ici, il doit être enterré. Allez. Ça va un peu vite. Une porte qui s'ouvre comme dans les temples. Ouais, c'est un peu le but. Un peu l'effet que je voulais. Mais là, il est un peu violent là. Qu'est-ce qui t'arrive la porte?
péter cette porte. A disparu. Mais pourquoi elle est là-bas? Mais non! Je fais n'importe quoi. J'avais perdu ma porte. Parce que j'ai peur. Allez, laisse-moi faire. Et merci Super Mustang pour le follow. Et là, on va ramener notre porte là où elle devrait être. Mais de rien. Comment t'es tombé sur le stream? Allez, voilà. Ça pourrait peut-être avoir la couleur des murs pour l'instant. En attendant qu'on fasse mieux. C'est pas la bonne couleur. Chercher des streams de programmation en français, et il y en a quelques-uns. What? Mais ouais, c'est vrai que ça manque un petit peu en français. Il y a pas beaucoup de streams. Chercher surtout moi du stream de dev de jeu. Et ça manque pas mal. Du coup, je me suis dit, je vais faire mon stream. Pour compenser. Ah, c'est pas beau ça. Faudrait que mes côtés de mur. Bon, d'habitude, on fait plus de programmation que ça. Là, c'est un petit peu level design. Dernière fois, on a fait un peu de dessin. Là, surtout, on teste nos fonctionnalités. Alors. Pas du tout. Je vais faire. Je vais faire ça, ok. Va se mettre à 90.
c'est sympa ça, tiens, en escalier comme ça. N'importe quoi. Est-ce que c'est possible de faire ça correctement? Hop. On va faire une petite pièce au trésor. J'aurais bien aimé trouver un stream sur du dev iOS. Il n'y en a pas. Ça a l'air super sympa ici. Ben merci. T'essaies de te lancer dans la prog mobile? Ben en ce moment, je suis en train d'en faire un peu du iOS dans mon travail. Pas en tant que prof, mais dans mon travail de dev. Et je galère un petit peu. Parce que moi, au départ, je fais du jeu vidéo, alors. Pas trop la même. J'ai pas l'habitude des contraintes d'Apple, on va dire. C'est fort ça. Fort en chocolat. Moi, ce que j'ai bien envie de faire là, c'est que c'est que là on va mettre une porte qui s'ouvre avec une clé, ok. Donc on va rentrer dans le petit donjon. On ramasse une clé, on ouvre la porte et on fait un petit système de coffre qui s'ouvre avec un coffre qu'on peut ouvrir avec une petite clé. En train de faire une application qui présente ton CV et ensuite une autre idée d'application autour des livres. Super chouette, c'est original ça pour le CV. Et t'as pas peur que si c'est que sur iOS, ça limite pour les recruteurs s'ils ont des téléphones Android? Et là, le préfab. T'es en train de faire une application. C'est bon. J'ai cru que c'était un nouveau message. J'ai cru que tu m'avais répondu. On est bien là avec la petite musique de Noël. Hein. Si on casse ton iPhone, ça marche plus. Il y a des chances, hein, mais. Long, ça. Hop.
Non. Ah oui, je vois, mais mon but c'est de bosser dans l'iOS parce que j'aime beaucoup le langage Swift et l'univers d'Apple. Ok. Bah écoute, ouais, carrément. Vraiment, Swift, j'ai dû m'y mettre pour la première fois là. J'ai un peu de mal, mais. Mais c'est clair que si tu veux bosser dans l'iOS, c'est la meilleure façon de montrer ce que tu sais faire. C'est pas dans le bon sens. Oui. C'est mieux comme ça, non? C'est pas trop mal, ça. Tu pas t'es sponsorisé RhinoShield toi aussi? Alors, là, ça va aller ici. Pardon. Ah non. Voilà. Sauf qu'elle n'est pas dans le bon sens. Parce qu'elle s'ouvre vers l'extérieur. Et que du coup, c'est pour ça qu'on la voit pas. Ça et du coup faut que je change mes matériaux. Hop. Je pense qu'il y a un bon potentiel au stream de programmation. Ouais, carrément. Bah ouais, moi j'aime bien regarder ça. Je les mets en fond quand je travaille. Ouais, j'utilise Unity exactement. Mettrai mon sponsor RhinoShield sur ton GitHub. Bonne idée. Après, il faut qu'il t'envoie le chèque, hein. Et les musiques sont bien, bah écoute, ouais, c'est la playlist YouTube. Je vais envoyer le lien dans le chat. C'est la playlist YouTube des chansons de Noël sans copyright. Comme ça, je peux mettre les rediffs sur YouTube et j'ai pas de soucis aussi pour les rediffs Twitch. Mais j'aime bien écouter ça quand je travaille. Euh...
Ça, c'est bon. Et du coup, en fait, il faudrait que je mette une petite clé dorée dans mon donjon. Mais tu veux bien te remettre au bon endroit, toi? Enfin. Merci. Non? Pourquoi? Très bien. Et là, si je mets une clé. Parce que ouais, Noël, apparemment, c'est aussi copyrighté. Ouais. On n'a pas le choix. On trouve des stratagèmes pour pouvoir mettre de la musique. Parfait. Un projet de réalité augmentée à faire sur Unity. Avec ton équipe, une appli Android. Ah, c'est stylé! Tu dois faire ça pourquoi? T'es dans une école du coup? Ah bah si, quasi. Toi, là. Donc c'est l'interrupteur, il faut le lier avec la bonne porte. T'es dans une école et t'as une matière qui te demande de faire ça? Ouais, c'est super Unity. Bah, moi je suis prof de Unity, alors de toute façon, je vais pas forcément dire que c'est trop bien. Ah, je l'ai mise trop haute, la clé. On peut pas l'attraper. Mais c'est chouette, c'est quoi? C'est une école d'ingénieurs ou. Parce que c'est étonnant sur une école de prog d'avoir des cours de Unity. Voilà. Alors, juste, j'ai enlevé ces trucs que j'avais mis hier. Canvas. J'ai voulu faire des tests d'image hier. Pas hier, vendredi. Oh, ça passe vite.
Après, c'est tout petit. Ton mec souffre un peu quand tu utilises Unity, ça va? École d'ingé, on fait plein de trucs. Ouais, bah après, en fait, le principe, c'est que tu vois en surface plein de trucs. Et ce qui t'intéresse et ce qui va servir ton projet pro, bah, tu vas pouvoir l'approfondir en fait de ton côté. Ou le choisir en spécialité suivant l'école. Il faut que je rajoute une light parce que c'est. On voit plus rien là. N'importe quoi. Bah non, non, faut raconter ta vie, moi j'aime bien, hein. J'aime bien parler avec vous. Je parlais avec un autre dev sur Twitch la dernière fois. Et on parlait du fait que vous êtes un peu. Je sais pas si t'es familier avec la notion de du canard en plastique qu'on utilise pour le dev. C'est le canard à qui on raconte les bugs. Et en les racontant, ça nous permet de les. Ça me permet de les sortir, tu vois, et de les expliquer à quelqu'un. Et ben on les résout en expliquant le problème. Ben c'est un peu ça, en fait, en stream. Les viewers, c'est un peu les canards de débug. On se sent un peu moins fou quand on parle avec vous des bugs, plutôt que de parler dans son coin tout seul. Donc voilà, grâce à vous, on se sent un peu moins fou. Ouais, c'est ça, ouais, il faut un côté humain. Puis ça reste un métier de, enfin, de création aussi, hein. Si on n'arrive pas à prendre du recul au minimum sur ce qu'on fait, bah on stagne dans le même truc, on s'en sort pas quoi. C'est le meilleur moyen de se fatiguer, de se frustrer tout seul. Je change le clipping parce que j'aime pas trop voir à travers les murs. Hop, je m'en vais. Pas mal ça. Merci de faire des streams parce que tu partages ce que tu fais, ça demande une certaine motivation. Eh ben merci. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. C'est aussi un petit défi, quoi. Faut pas hésiter à se lancer.
À chaque fois, au moment de lancer le stream, c'est le stress. Et si j'arrive plus à coder, qu'est-ce qui se passe? Mais les gens sont gentils. Quand j'arrive pas à coder, ils rigolent avec moi de des bugs bizarres. Et c'est ça aussi qui fait que c'est fun à regarder. Si ça marche tout le temps, c'est pas pareil. Et puis j'apprendrai rien, alors. Du coup, autant que je fasse des trucs que je sais pas faire. Comme ça. J'apprends des trucs et on s'amuse. Le clipping, j'ai dit. Mais où est ma caméra? J'ai perdu ma caméra. Ah mais non, mais elle est là. Ouais, on va le mettre. En plus, attends, c'est stressant avant de lancer. Bah ouais, forcément. Enfin, c'est déjà pas facile de programmer. Alors, quand il y a des gens qui regardent par-dessus ton épaule, c'est pas beaucoup plus facile. Puis il faut parler en même temps, et ça, c'est un exercice qui est pas super intuitif, parce que d'habitude on se parle à soi-même. Mais il n'y a pas besoin de regarder le chat par exemple régulièrement. Et puis il y a pas mal de choses. Ouais, faut animer un petit peu. Voilà. Puis faut coder toujours proprement parce qu'il y a des gens qui regardent. C'est surtout le stress de se dire qu'est-ce qui se passe si je fais un stream de 2 heures et au bout de 2 heures, j'ai rien réussi à faire, quoi. Mais en fait, il n'y a pas de stress à avoir parce que c'est un projet pour les streams. Mais je me dis si au bout de 2 heures, j'ai rien réussi à sortir, je vais me sentir nulle, quoi, devant tout le monde. Alors qu'en fait, ça va. Des fois, on arrive à faire des petits trucs et pas d'autres. Et puis, c'est plus l'appréhension, hein. C'est pour ça qu'on se lance pas en général. Entre regardant et utiliser Unity, ça me donne envie de faire pareil. C'est une forme d'enseignement un peu, parce qu'on te regarde faire, ça nous donne des petits automatismes. Ouais, mais clairement. Clairement, je pense que c'est important quand tu veux te lancer, tu faut regarder des gens l'utiliser. Parce que même, enfin, il y a plein de petits raccourcis, de petits trucs comme ça. Si tu le sais pas, faut aller creuser dans la doc, quoi. Parce que c'est des petits trucs qu'on apprend à faire à force d'utiliser. Et voilà. Peut-être. Il y a peut-être mes élèves qui vont passer. Sur mon stream, il passe de temps en temps. Et du coup, avec tout le monde, je suis en mode prof parfois. Je pars en explication de ce que je suis en train de faire et tout. Donc voilà, s'il y a un truc, tu te demandes pourquoi, comment, etc., il n'y a pas de souci. J'aime bien expliquer.
mon clipping est peut-être un petit peu. Ouais, mais. Mais là, j'ai peur qu'on voit dans la pièce. Ouais, c'est ça. Pas trop envie qu'on voit dans la pièce. On verra ça plus tard. Pour l'instant, ça fait le taf. On se bloque pas la vue. Et là, je veux un coffre. J'ai mon prof qui nous a partagé son écran d'iPad pour nous expliquer un concept sur la réalité augmentée. L'avantage, c'est qu'il pouvait dessiner son explication. Ben ouais, clairement, là, j'ai pu enfin reprendre les cours en présentiel. Clairement, c'est un plaisir d'avoir un tableau pour pouvoir faire des dessins et pour pouvoir vraiment montrer les trucs. Si un jour tu streames la programmation, tu utiliseras ton iPad. Ouais, ben clairement, c'est ce qu'il faut faire. Moi, j'ai la tablette graphique, donc j'utilisais de temps en temps pour donner mes cours, pour pouvoir faire des dessins. Mais c'est clair que pour les notions théoriques, c'est vachement mieux. Shoma, ça marche ce DJ? Qu'est-ce que t'appelles, DJ? Ah! Mais oui, regarde. Là, je vais faire. Je vais coder le coffre. Mais en fait, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un peu abusé sur le clipping. Du coup, on voit à travers tous les murs. Hop. C'est pas possible. Bah, c'est vrai, moi ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont. Enfin, t'as pas besoin de t'embêter avec tout ce qui est format et différentes tailles d'écran et tout, parce que ça, vraiment, quand tu devs sur Android, c'est un enfer, quoi. Ah, pas mal. Ah bon, t'es un peu pro Apple, mais j'aurais pas dit en fait. J'ai disparu. Ah, cube prévu. Très bien. Excellent. Pourquoi je le vois pas? Bizarre. Ok. J'aimerais l'imaginer par rapport à la taille du personnage. Mais ça met 4 ans à me l'afficher. Donc en profondeur, clairement pas 3. Je pense que 2 c'est déjà bien. Et 2. 1. Et après on fait le. Ouais, c'est ça. Alors, ce qu'on fait ici.
ça et on fait un cylindre qu'on va couper en deux. Vous allez voir, ça va bien se passer. Ce coffre, il va être de toute beauté. Il doit faire 2. Non, 1. Il doit faire 3. Ici. Ok, et on va le couper en deux, ça va faire le couvercle comme ça. Comme ça. C'est ça, Super Mustang, il est sponsorisé. Oh, regardez comme ça va être beau. Il va pas être beau mon coffre? Bon, c'est très bien. On n'a pas besoin de le smooth. Très bien comme ça. Je l'aime comme il est. Et hop, on va supprimer la moitié de notre... un peu de modé au passage, voilà. Par contre. Voilà, et je vais retourner les normales. J'ai mal compris mon affaire. Je voulais retourner les normales. Comment je vais faire? Est-ce que je peux les cacher ceux-là pour pouvoir travailler avec ceux de dessous? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont dessous pour pouvoir les retourner. Comment on va faire? Je peux pas me mettre entre les deux, c'est trop. Alors d'accord, hein, on est parti sur le... Est-ce que... Est-ce que ça?
Oui, d'accord, mais en fait, là, j'ai un problème. Ça m'a tout retourné, hein. Je veux les deux en fait. Ça m'énerve un petit peu. J'aimerais avoir les deux. Ok, et celle-là, je les retourne. Yes! C'est ça qu'il fallait faire. Très bien. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué mes faces et j'ai inversé la normale sur le duplicata. Ce que t'aimes trop sur Twitch, c'est le fait que les gens partagent ce qu'ils font avec le temps. On se rend compte que ça peut aller au-delà des jeux vidéo. Bah ouais, clairement, je pense que de toute façon, il y a du public pour tout. Et si t'as envie de partager un truc, il y aura des gens pour regarder. Clairement. Ça, non. Et là, bim! Ah yes. Ah non, en effet, fallait que je duplique celle-là aussi. Ah mais non, mais j'en ai oublié. Les avoir dupliqué celle-là. Ah, c'est pas les mêmes. Pourquoi toi t'es pas dupliqué aussi? Ok, alors, en fait, faudrait que j'annule mon extrude du début. Parce que c'est ça qui me pose des soucis. Ah, voilà. Ok. Donc tout ça, je vais le dupliquer et inverser la normale, et normalement, on sera bon. Parfait. C'est exactement ce que je voulais. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir extruder pour créer un petit peu de rebord, un petit peu de profondeur là-dedans. C'est vrai qu'elle est bien cette playlist. Mais non, mais je veux pas l'extérieur en fait. Ok.
verras, je peux très bien faire ça. Non, ben sinon, voilà. Pour l'instant, on va laisser comme ça parce qu'on va pas se prendre la tête car on tourne là-dessus. Et comme ça. Voilà, hop. Ça, c'est un petit. Pourquoi t'es normal et l'inverser à toi? Ça. Toi, il y a deux cylindres. Ah, mais c'est les deux faces. Okay, donc ça va là. Okay, et donc là, on va pouvoir animer le corps. Oh, bah mince. J'ai fait le fond un petit peu trop bas. Voilà. Et donc là, quand on va pouvoir animer le coffre, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va animer le couvercle. Pas comme ça, par exemple. On va créer un nouveau point de pivot. Qui devrait être ici. Mais comment ça?
Mystique, ça. Mais ça suffit. Je regardais pas le premier axe. Allez, mon pivot, il doit être là. Donc là, comme ça. Est-ce que ça vous plaît? Comme ça, comme ouverture de coffre. C'est pas mal, hein? On pourrait rajouter ici, ce serait... Et ça va prendre du moins. Ça va prendre du doré. Ça. Voilà. Par contre, truc de bois. Pas ouf, hein. À bientôt, Mustang. Bon appétit! Ouais, moi je vais pas tarder à aller manger aussi, mais j'aimerais bien faire ça. Attends. Ah oui, c'est sur le cylindre, hein, que ça va. C'est ici que ça va. Animator. Open chest. Manger, c'est pour les faibles. C'est pour les faibles, mais vraiment, je suis sortie de cours. Je suis rentrée, j'ai posé mon manteau, je me suis installée pour streamer. Alors, j'ai faim.
Ah non, ça passe à travers. Mais non, mais pourquoi ça s'est décalé? Ça marchait bien tout à l'heure. Mon pivot, il est tout cassé. Ah mais non, c'est lui qui doit avoir. Pas le temps de niaiser, mais non. Et puis ça, c'est. Je sais plus le mot en français. J'allais dire dedication. Allez. On va y arriver, on va y arriver. Et ça, normalement, c'est bon. Yes. Franchement, c'est pas mal, hein, l'effet low poly, ça marche bien. Ça va pas du tout avec le reste, mais. Mais on va rien dire. Là, on fait 90. J'ai pas peint l'intérieur. C'est l'envers du décor. Voilà. Allez. Faudrait un truc qui sorte en vrai. Faudrait que. Ah merde, j'ai attaché au couvercle. Faudrait que. Je puisse indiquer genre le préfab de l'objet que c'est, ça. Mais qu'en gros, il suive une animation, genre. Il sort du coffre. Ce serait stylé, non? Comme ça marche. Hein. Un peu nul, mais. On arrangera ça. Non, pour l'instant, c'est la bouboule. Et ça. En fait, j'aurais pas dû mettre du doré ici parce que je voudrais que ça s'ouvre avec une clé argentée. On va se faire un nouveau petit matériau. Très bien. Parfait.
un peu grosse la serrure. La flamme. La clé, par contre, on va la reproduire. Et on va la faire argentée. Ouais, ça y est, je vais m'endormir là. La musique essaie de me tuer. Qu'elle est mignonne, cette petite clé argentée. Et je veux qu'elle soit plus petite que la clé dorée. Il faut que je change collectible. Puzzle. Ah non, c'est pas ça. Et ça va être ma quest collectible. Ça va être Silverkey. Bon, allez, on termine ça et après je vais aller manger. Le prochain stream, par contre. Ça va être chouette. Pas bon, ça. Ça va être chouette parce que le prochain stream, on va pouvoir fêter l'affiliation. Donc je vais voir si je peux organiser un petit truc un peu cool. Ouais, peut-être champomy. Mais voilà, je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pas trop d'idées. Mais du coup, ce sera peut-être pas vendredi parce que vendredi, je termine les cours à 19h. Donc je risque d'être éclatée. Mais je suis à la recherche d'une idée cool. Si t'as une idée, Choma. N'hésite pas. Faire pour le prochain stream pour fêter l'affiliation.
Donc ce que je faisais là, c'était que j'étais en train de faire mon Scriptable Object. Donc ça, l'icône, c'est ça. Petite clé. Description. L'argent. On va avoir jusque 5. Non, on peut en avoir autant qu'on veut. Je veux pas me limiter sur les donjons. Hop, quest. Et par contre, ouais, faut que je crée un nouvel événement pour ça. Alors, je reviens tout de suite. Le chat qui défonce ton rouleau de papier toilette pour avoir de l'attention. Ok, donc ça c'est bon, c'est fait. Et ce qu'il faut faire, c'est que notre coffre... Pas du tout ça en fait que j'ai utilisé. Ça on va l'enlever. Sur le jeu, ce sera un jeu solo. Déjà, parce que moi je préfère jouer au jeu solo. Et ensuite, parce que c'est beaucoup plus facile à faire. J'ai pas super envie de m'embêter avec du réseau en fait. Pourquoi pas plus tard, mais en vrai, si je fais du multi, je voudrais que ce soit plutôt du multi local. T'as déjà essayé T3, Become Human? Ouais. Non, par contre, j'ai regardé un let's play. Et ça m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup tous les jeux narratifs et les jeux à choix. J'ai beaucoup aimé. Bonsoir, Adamante. Comment ça va? Et oui, on a commencé plus tard aujourd'hui parce que Artefix, enfin, j'ai mes horaires qui ont été décalés et du coup. Ça va, ça va.
ça. Mais non, ça va. C'est interactif. Je me souvenais plus du nom de mon propre composant, quoi. Et ça, c'est fort. Ok, et donc là, faut que j'essaie de lui mettre une clé quand même. Eh bien, merci de passer faire un coucou. De toute façon, je pense que je vais bientôt arrêter parce que j'ai faim. Mais ça me fait super plaisir. Et du coup, prochain stream, en fait, l'affiliation. Mais je sais pas encore quoi faire. Shoma a pas d'idée. Ils m'aident pas. Donc peut-être que toi, tu as une idée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour fêter ça? Peut-être jouer à un jeu. Peut-être vous faire voter pour le nom du personnage. Ce serait stylé. Beaucoup trop de possibilités. Robotover. Ouais, ça peut être les deux. Ouais, ça va être cool. Soirée Seb. Non, mais déjà, je suis super contente parce que. On est beaucoup là. En vrai, on est 52. Le compte, il se met pas à jour, mais on est 52. Et c'est fou, parce que ça fait 3 semaines que je stream. Donc c'est énorme. Ça me fait trop plaisir. Non, ça fait pas 3 semaines qu'on est 52. Bah non, il y a 3 semaines, on était 1. Bon, il est gentil. Vous êtes trop mignon. Ah bah non, te lance pas déjà. Il est trop excité le coffre, il a trop envie de faire ses trucs. Non. C'est un coffre excité. Il est tout fou. Il a envie d'être ouvert pour Noël. J'ai pas mis en trigger.
Bah alors, on va pas s'en sortir, hein. Sera ouvert que le 25, faut qu'il se calme. Ouais, exactement. Pourquoi? Je crois que j'ai oublié de mettre un tag, non? Entre les streams, j'ai oublié ce que j'ai fait. Interactive, c'est ça. Bonne soirée. Ça marche. Faut que je rattrape, que je remette mes rediffs sur YouTube. J'ai du retard parce que j'ai eu un bug d'upload. Ah, il te plaît? Bah tant mieux. Bon, faudrait que je le dessine mieux, mais pour l'instant, c'est celui de Noël. Ah bah tiens, ça peut être une idée aussi pour le prochain stream. On se dessine un logo. Bon allez, bisous. Bonne soirée. Ça n'a pas marché. Ah mais parce que je l'ai pas nommé correctement. Mon anime, il faut que je la renomme. C'est pas open chest, c'est action, je crois. Ah non, faut que j'ai un trigger. Je vais commencer à prendre des notes de ce que je fais. Pas mal, non? Donc le coffre, on pourrait le mettre. Chest. Déjà, on va l'enregistrer, ce coffre. Est-ce qu'il marche? C'est peut-être un détail pour vous. Je suis fatiguée. Pas m'en vouloir. Ah là là, je ne peux pas utiliser ma petite clé grise sur la porte.
Ça marche mieux. Écoute. À part que mon coffre est très mal placé et que du coup il rentre dans le mur, j'ai l'impression que c'est quand même plutôt un succès. Donc faut que je le mette en 49. Et voilà, je suis fière de moi. On a réussi à faire un truc. C'est pas trop mal. Déjà une première structure qui marche. Donc ça, c'est chouette. Et je pense que je vais vous laisser pour aller manger. Et du coup, on va se revoir très bientôt pour le stream spécial. Et je vais essayer de prévoir des trucs. Merci. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je pense que je ferai une annonce sur ce que j'aurais décidé pour le stream. Aussi. Évidemment, s'il y en a parmi les spectateurs qui ne me suivent pas, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas manquer le prochain stream. Et non, j'ai pas mis la commande. Ah, c'est le même pseudo. C'est le même pseudo. At Aenoria. Et puis sur YouTube, il y a toutes les rediffs, si ça vous plaît. Et sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne soirée et va voir. Je pense, Shoma, que Sinus. Stream. Il me semble qu'il a commencé en même temps que moi. Donc si tu veux. Je voulais le raid, mais ça bug. Bon. Je vais essayer. Je vais essayer de le raid avec trois spectateurs. mais voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. Et on va raid Cosinus avec trois spectateurs. Parti. L'impression que Twitch rame. Bah non, ça essaye, mais ça mouline. J'essaye.
Je crois que j'ai cassé le Twitch, ouais. Il me dit que j'ai déjà un raid en cours et je peux pas en relancer. Hein. Moi, Twitch est complètement cassé chez moi. Ah. On va s'en sortir.